Et bien bonjour à tous les amis, c'est Zozo du 13-08 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft Dungeons. Donc comme promis dans ma précédente vidéo, je vais vous présenter rapidement les runes. Et donc aujourd'hui c'est la rune du bois des creepers. Alors, la rune se trouve tout à la fin du niveau, donc vous faites le niveau normalement. Mais en fait vous pouvez vous servir comme point de repas, comme point de repère, libérer les villageois en haut de votre écran. Donc quand il y a marqué libérer les villageois, et eh ben c'est que vous êtes pas loin. Alors, bon ici il y a des monstres, c'est normal. Et donc, bon vous n'êtes pas obligé de libérer les villageois, hein. Ça ne change rien si vous voulez libérer aussi les villageois. Et donc en fait, une fois que vous êtes à ce village là, il y a un trou dans la barrière. Et vous passez par là. Et là, regardez, vous avez de la pierre avec une plaque de pression. Donc vous passez. Et là, vous avez un passage secret. Il y a marqué voyager. Vous voyez. Et là, hop, vous y allez tout au bout. Là, il y a une autre plaque de pression. Vous appuyez sur pousser. Et là, la rune va apparaître. Voilà. Donc, il faut faire ramasser sur la rune. Et après, vous rentrez dans le truc. En fait, vous n'êtes même pas obligé de rentrer. Et après pour mettre la rune, je vais vous montrer. Donc dans les autres vidéos je vous montrerai pas puisque vous saurez comment il faut faire. Je vais vous montrer. Le chargement, c'était rapide. Alors après vous passez par là. Donc dans la précédente vidéo, on a abaissé le pont levis. Et donc là, vous rentrez dans l'église. Comme on a vu dans la précédente vidéo. Et là, vous allez tout au bout. C'est loin. Voilà. Et là, vous appuyez sur placer les runes. Et là, vous avez deux runes. Alors, je sais pas pourquoi il y en a deux, parce que je vous en ai présenté qu'une pour l'instant, mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.